Aujourd'hui, samedi, président de la République. À sa 6009e 43e conférence. D'abord, c'est une meilleure occasion parce que depuis novembre que le chef de l'État a promis le démarrage de consultation nationale, ces choses faites aujourd'hui, je crois que la demande de la population a été entendue et par rapport à son discours, il a laissé beaucoup d'ouverture en disant que les délégués peuvent débattre de tous les sujets sans tabou. Mais de ne pas sortir du cadre constitutionnel. Il n'a pas remplacé aussi le souverain primaire. Et ce qui m'a revu davantage, c'est l'amnistie qu'il va accorder par rapport aux détenus politiques, certainement. Et ça, c'est une grande, comment dirais-je, une merveille, parce qu'on s'entendait le moins. Je sais que nous, les politiques, nous avons souhaité que le président arrive. Voilà, il vient de consentir. Tout cela un coup de chapeau. Le chef de l'État a dit qu'il n'y a pas des objectifs obscurs. Est-ce que vous croyez ce propos du chef de l'État, d'autant plus que avant le début de ces assises, on a parlé d'un gouvernement du nom national. Tant que le chef de l'État a parlé, mais il faut aussi observer les dynamiques de la salle, les dynamiques des composantes, société civile, opposition et majorité. Certainement, à mon avis, ça débouchera par ce que le gouvernement de l'Union nationale, quoi que l'on dise, j'ai l'impression que nous allons y arriver. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Merci. Ok, merci. Tant que c'est un homme d'État,
Il ne s'est pas caché pour dire ça. Au-delà de toutes les spéculations, là, il vient de mettre fin à toutes les spéculations. Ça suppose que nous devons le faire foi. C'est un discours, comme vous l'avez dit, un discours d'orientation. Donc, ça veut dire que les gens doivent travailler, pas dans le sens d'avoir des agendas cachés, mais en toute transparence et en toute responsabilité. Donc, nous croyons qu'il n'y a pas d'agenda caché. Ça vient couper court à ceux qui croyaient que les gens y allaient pour le gouvernement d'Union nationale. Si c'est cela qui était caché, mais cette fois-ci, je ne crois pas que c'est le cas. Il parle de la cohésion nationale, il parle de l'unité du pays. Vous voyez, autant d'éléments essentiels qui doivent réunir le Congolais et pour qu'il résolve cette question. Donc, nous estimons que le message aura bien passé, que les gens auraient bien compris le sens de cette concertation. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ouais, comment ne pas croire au propos du chef de l'État alors que c'est lui le garant de la nation. C'est lui le garant de la bonne marche des institutions. Et c'est lui le garant du respect de la Constitution. Il n'y a pas d'agenda caché, comme il a très bien dit. Et nous pensons qu'il n'y a même plus de prétexte. Tous les prétextes qui étaient avancés de ceci, de cela, ont été balayés du revers de la main. Et nous attendons qu'il y ait une participation inclusive. Tous ceux qui avaient des arrière-pensées, et il n'y en a plus, qui viennent tous. Dernière question. Quelle est la partie du discours du chef de l'État qui a plus retenu votre attention? Du début à la fin, mon attention était soutenue, parce que le discours était très bien structuré. Je suis resté attentif du début à la fin. Est-ce que les acteurs politiques de l'opposition peuvent se sentir apaisés aujourd'hui, d'autant plus que le chef de l'État a promis une probable libération de l'amnistie, au fait? Non. Suivez-moi bien. Lorsque le chef de l'État parle de la libération conditionnelle, lorsqu'il parle de la grâce présidentielle, ceci n'intéresse pas seulement un camp, parce que les gens qui se trouvent en prison, ils relèvent aussi bien de la majorité que de l'opposition. Vous ne pouvez pas me dire si les prétextes de l'opposition sont apaisés. Non. Et ceci rencontre la préoccupation de beaucoup de Congolais. Et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, donne son pardon, justement pour qu'il y ait cohésion nationale. Ça ne peut pas relever seulement d'un seul camp, mais ceci concerne tous les Congolais qui seront contents et qui sont même très contents par ces décisions annoncées par le président de la République. Merci. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. La diaspora est trop fière. J'ai dit bien la diaspora suisse que moi je représente et avec notre diaspora que nous sommes réunis ici en RDC. Nous sommes très fiers de voir que le président de la République aujourd'hui n'a pas mâché le mot. Un président offensif aux problèmes qui rongent notre pays. Un président qui ne mâche pas les mots et qui cadre le politicien, qui vient avec des idées politiciennes en disant que voilà, réconciliation nationale, gouvernement d'union nationale ou je ne sais pas quoi. Tout ça, le président de la République a cadré. C'est un espace d'échange. Aujourd'hui, nous sommes fiers que le président de la République a cadré tout le monde et il a mis des règles. Et maintenant, nous de la diaspora, nous disons quoi? Oui. Nous sommes prêts à discuter, nous sommes prêts à partager, nous sommes prêts à apporter ce que nous avons appris à l'extérieur. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas cette diaspora qui agresse les gens. On ne veut pas ça. Nous voulons une diaspora positive, responsable, compétente. Et c'est ça la diaspora que nous défendons. Maintenant, il faut se poser des questions. Qu'allons-nous apporter à notre pays et non attendre chaque fois qu'est-ce que le pays va nous donner, nous? C'est la différence que la diaspora suisse représente dans ses assises. Merci.